Hola, soy Pablo Poledri, el director del cortometraje Loop. Bueno, quiero agradecer al festival por haber seleccionado el corto y darle difusión. Quiero agradecerle, por supuesto, al jurado por el reconocimiento. Quiero agradecerle a todos los estudiantes que lo votaron. Muchas gracias. Me alegra muchísimo que les haya gustado el corto. Y también quiero agradecer a todo el público que se acercó a verlo. Bueno, espero que lo disfruten mucho. Les mando un saludo muy grande desde Argentina y muchísimas, muchísimas gracias. Bonjour, alors je m'appelle Amélie Bonin, je suis la réalisatrice de Partir un jour que vous allez découvrir ou que vous venez de découvrir, je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo. Et je vous fais un petit mot pour vous dire en quelques mots d'où vient ce film. En fait, ça part vraiment d'un sentiment qu'on est, je crois, beaucoup à partager, qui est celui qu'on ressent quand on a quitté l'endroit où on a grandi, qu'on est parti dans une grande ville pour faire ses études ou pour devenir, entre guillemets, quelqu'un d'autre, et puis qu'on revient. Et il y a toujours cette sensation, une sorte de... En fait, il y a pas trop de mots en français, mais il y a un mot brésilien, enfin en portugais pour dire ça, qui s'appelle saudade. C'est une sorte de nostalgie, mais comme une mélancolie heureuse, c'est-à-dire c'est très ambivalent, un sentiment partagé, à la fois une sorte de tristesse, comme si on ne retrouvait jamais complètement les choses comme on les a laissées, et en même temps une joie de retomber dans des lieux, de reparler avec des gens qui sont si familiers et qui réconfortent. Donc voilà, c'est une histoire qui, je crois, parle de ça. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder qu'on a pris de plaisir à la faire. Merci en tout cas d'être là et de faire vivre les courts-métrages. Bonne soirée! Tous, je suis Alex Loukakis, le réalisateur d'Inconnu au bataillon, que semble-t-il vous venez de voir. Alors voilà, je vous fais une petite vidéo en espérant que vous ayez aimé le film pour vous en parler un tout petit peu. Voilà, j'ai choisi de raconter des thèmes finalement qui sont encore très actuels à travers ces personnages qui ont une centaine d'années. Donc le thème de l'identité notamment est quand même très présent. Et puis qu'est-ce qu'un inconnu? Finalement, c'est quoi un inconnu? C'est jamais l'inconnu de personne. Il y a effectivement cette question identitaire qui se pose avec ces soldats qui ont combattu pour la France. 40 nations sont venues combattre dans cette guerre mondiale. Donc, ce qui me permet effectivement de poser quelques questions sur la place des tirailleurs. J'ai pas eu le temps de faire tous les tirailleurs, mais au moins sur les tirailleurs sénégalais. Et aussi un sujet qui me tenait aussi un petit peu à cœur, du coup, c'est cette espèce d'antisémitisme latent qui existait il y a une centaine d'années en France. On n'est pas très très loin de la fin de l'affaire Dreyfus. Et qui finalement a encore des résonances aujourd'hui dans notre société. Donc ce sont deux thèmes qui, je pense, aujourd'hui, malheureusement, sont encore très présents dans la question de notre société. Voilà, bon, cela dit, il a fallu quand même enrober tout ça d'un petit peu de légèreté, parce que je pense qu'il faut souvent de lecture à un film. Et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir aux déambulations de Solal, Mastracci, Klein et l'insupportable Malard. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de festival, en espérant que ce film vous aura plu, vous aura fait rire et puis aussi vous aura fait réfléchir. Salut! Bonjour, c'est Giulio Calegari, je suis le réalisateur d'Erratum. C'est une comédie sur le fait qu'il faut accepter le mystère, accepter de ne pas savoir. Par exemple, accepter que de ne pas savoir pourquoi mon fils est blond. Peut-être que parfois c'est mieux de ne pas savoir.